1905, le château est acquis par les seigneurs de Grésy. Ces derniers sont issus de la puissante famille de Faucy, une des maisons nobles les plus influentes de la Savoie médiévale. La famille de Grésy a régné sur Montrottier pendant 160 ans. C'est probablement à la fin du XIIIe siècle et au cours du XIVe siècle que sont érigés les bâtiments dits du logis des chevaliers et du logis des comtes. En 1425, François de Grésy donne le château de Montrottier et la maison forte du Petit Grésy à Amédée VIII, duc de Savoie. Le château est alors propriété de la maison de Savoie.